Salut, Nicoli Salut, c'est Nuki J'ai plein de notices et des mots pour... Eh, PS2, eh oui <laughs> Eh oui, elle petite filoute ouais, moi, j'en ai un peu sur PS1, mais pas, la... pas pour la 1002. Mmh. Salut, Endo Tu vas bien Bon, on attend Pesca, gentiment. Euh, excellent. <laughs> euh, faut pas que je loupe euh, la page... Cette page-là. Voilà, parce que du coup... <laughs> voilà, là, on se fait un petit... Euh... Un petit live tranquillou ce soir. Euh, j'ai un tirage au sort à faire. Et euh, voilà, parce qu'il y avait des places à gagner pour. Euh, comment ça s'appelle Pour euh, la Pop and Geek. Et euh, voilà, bon, j'espère que tout, tout fonctionne bien. J'ai vrai que j'ai pas revérifié au niveau du son. Bon, a priori, ça a l'air de, de fonctionner. Euh, desktop, je vais pouvoir mettre ça parce que du coup, après, moi, j'attends. Voilà, il faut que j'attende Pesca. Et euh, un tirage au sort avec la valise Ertiel, oui. <laughs> Une question de madame Chambion euh, de Troufion euh, Les Oiseaux. Ah, nickel le son, merci. Ils sont trop, trop classe, Endo, les, les, les gifles, là, les emojis. Ah, ils, sont, ils sont hyper classe. Je sais pas si Roro va passer, mais en tout cas, c'est cool. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux vous raconter de beau On peut se faire un petit euh, Alex Express. Ah, bah écoute, euh, il gère, franchement. Euh, euh, voilà. Qu'est-ce qu'un visage Rubicon Qu'est-ce qu'un visage Rubicon Il sait pas. La convention de ce week-end, c'était cool. Franchement, super bon accueil. On a passé un bon moment avec euh, Lovecraft. Euh, c'était euh, cool. Voilà. C'était euh, tranquille. Bon, bon, en plus, c'était pas trop, trop loin de, de chez nous. Donc, euh, donc, non, non, vraiment euh, incroyable de se retrouver sur scène avec euh, A.H.L. Et euh, ah, un visage rebucon rubico... dans le Big Deal. Oh ah, tu vois, tu parles d'une question. Ah, non, j'ai pas assez regardé le Big Deal pour, euh... <laughs> pour me souvenir comme ça. Euh, non, du coup, ce week-end, c'était mortel parce que ouais, je disais... Je t'ai fait le Ah, ah je veux bien, je veux bien, je veux bien. On était, euh, je disais, euh, conférence avec euh, A.H.L. et puis Lovecraft. Et euh, c'était euh, mortel, et euh, bah, génial quoi, et alors ça c'était le, le samedi, une mmh, petite conférence sur euh, euh, la presse jeu vidéo, l'évolution on va dire, l'évolution de la presse jeu vidéo, de, 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 un peu de sa naissance jusqu'à sa chute, euh, et sa mutation on va dire, euh, quand ça passe après sur le, bah maintenant c'est plus sur internet quoi. Oh bah non, en jeu, en jeu non, il y avait, euh, avait qu'un que vendeur, enfin, il euh, y avait juste un petit stand de vente, donc non, non, euh, bonheur en jeu. Bon, à part, à part euh, si, j'ai testé la démo du jeu Kirito, le jeu est cool, euh, graphiquement, euh, la jouabilité et tout. Alors pour l'instant, c'est en phase de, de développement, mais phase de, ouais, pré-développement, pré c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait tout un premier niveau, mais ils veulent vraiment le finir pour euh, lancer le... Bah, les précommandes du jeu, en quelque sorte, ce qui les aidera à, à finir le jeu. Euh, et puis, et puis euh, qu'est-ce qu'il y avait bah, Il y avait Brock Studio qui était là. Donc, Brock Studio, bah, euh, voilà. Bon, Moi, je n'avais pas de, pas de budget à dépenser pour ce week-end, malheureusement, mais euh, je, voilà, ça n'empêche pas que j'ai passé des, 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 voilà, des super moments incroyables. Je pensais qu'il y aurait plus de revendeurs. Non, 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 c'est vraiment tout petit, la, la Edge Convention. Euh, C'était tout petit. Euh, Kirito The Game était déjà à la PGR 2023. Ah bon Je me rappelle même pas. Ah, tu vois, j'étais tellement euh, accaparé avec mon stand, à installer, à discuter à droite, à gauche. Tu vois, là, justement, c'est pour ça que c'est cool quand je viens, j'appelle ça les mains dans les poches, euh, parce que du coup, bah, je peux vachement plus en profiter. Là, j'ai profité, j'ai fait quasiment le tour de, de tous les stands et, euh, et j'ai eu le temps de discuter avec tout le monde. Mais quand même, alors quand même, peut-être je pense la PGR, euh, enfin la, la Edge, c'est, allons dire, c'est trois fois moins imp, enfin, important en, en, en volume euh, que, la, que la PGR. Je veux dire, en, en concentration de stand, euh, je pense que, ouais, c'est trois, quatre, <laughs> facilement, parce que c'est quand même hyper blindé à la PGR. Et euh, voilà, si vous, si vous connaissez pas, ceux que connaissent pas la PGR, vous pouvez. Euh, J'avais fait des, des, petits, euh, des petits reportages euh, sur ma chaîne. Il euh, y en a aussi sur la chaîne de rétropolo Enfin, il y en a plein, plein qui traînent partout. Et Retropolo était là aussi. Et du coup, le dimanche, c'était euh, un petit live sur euh, le jeu vidéo. Est-ce que c'était mieux avant L'éternelle question. Euh... Évidemment, oui, c'était mieux avant. Allez, merci. Salut, ciao. Voilà, donc, euh, non, mais c'était euh, génial parce qu'il euh, y avait vraiment plein de profils différents. Euh, et euh, et euh, voilà, c'était euh, assez, euh, assez lunaire pour moi parce que je me retrouvais sur scène avec déjà, j'étais à côté de AHL, euh, l'autre côté il y avait Retropolo euh, il y avait aussi euh, DG, c'est la chaîne Padawan, euh, Padawan HD, et, euh, et LoveCraft. Et euh, voilà, c'est euh, assez ouf parce que... Euh, voilà. moi j'étais euh, tout intimidé il euh, y a enfin DG, DG de la chaîne Padawam HD je crois que c'est ça Padawam hein. euh, c'est pas quelqu'un que je connais euh, et du coup euh, voilà moi c'est euh, je suis vite euh, je me mets vite la pression et euh, c'est euh, voilà c'est quelqu'un qui, qui, qui connaît je pense assez bien son sujet sur sur à la fois le jeu euh, le jeu récent enfin je il, il connaît mieux son sujet sur le jeu récent que moi c'est à dire que moi le jeu récent tout ce qui est jeu récent voilà euh, donc c'était vraiment, euh, vraiment cool de les voir aussi euh, échanger euh, oui il était à la PGR 2023 mais n'ai pas osé aller le voir voilà donc, euh, donc on verra j'espère que voilà il y aura l'occasion de ça se refasse mais euh, puis il est grand avec ses lunettes moi ça me il fait flipper <laughs> non mais euh, non, il est cool il est vraiment cool et, euh, et euh, non on a discuté un petit peu euh, après, après la, la conférence il y avait euh, il y avait aussi euh, gemzenko, Gwen qui était là et oui l'année d'avant il y avait Conquer. et justement j'ai revu une, une vidéo une interview de Retropolo quoi euh, en mode invité voilà c'est ce que je disais El Chorizo. tu vois en mode invité bah je profite, euh, je profite différemment effectivement j'ai moins à m'occuper du stand j'ai moins à surveiller même si bon maintenant je sais que le stand ça tourne bien euh, les, les consoles les manettes tout ça ça se, ça se passe bien mais, euh, mais non clairement euh, c'est pour ça même à, à comment dire à la, à la PGR cette année j'ai demandé à Yano je lui ai fait... Euh, alors moi je viens, mais aussi euh, à euh, moyen je fasse plus léger, ça m'arrangerait. C'est-à-dire que bon, euh, Sylvain, je lui filerais un coup de main pour euh, amener son stand de de, de Matos Games parce que euh, finalement l'année dernière il avait, euh, il avait bien bossé, ça avait bien bien tourné. Donc il euh, y a de la... du coup ça veut dire qu'il y a de la demande. Voilà, il y a de la demande. Et puis en même temps, il bah, en profite pour ramener aussi des pièces parfois un peu, euh, voilà, euh, pas un peu olé, -olé mais des, des, des jeux qui qu ne voit pas partout. Donc, donc non franchement euh, franchement c'est cool. Alors, Je vérifie. Que euh, Pesca n'ait pas besoin de moi là. Non, c'est bon. Euh, ça, c'est quoi la gaffe Un visage rubicon. Ok, ça marche, je regarderai. <laughs> Attends, non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est Voilà. Euh... Oh, bah, C'est les, les pubs. Bon, je verrai ça plus tard. Yes, donc. Euh, voilà, j'ai besoin de place cette année. T'as besoin de plus de place ou. Donc comme je, je viens les mains dans les poches, tu auras plus de place peut-être. La prochaine fois, tu viens avec ta PlayStation, PSP, au moins tu ne seras pas trop chargé. Oui, oui, si je viens avec une PSP, c'est vrai que là, ça va, c'est pas, pas violent. Ou une, une, une PS1 avec l'écran. Tu sais, tu prends les, la PS1 avec l'écran, tu poses ça sur une table, et puis c'est euh, réglé. Ça prend pas trop de place, quoi. Mais euh, non, non, euh, non là. La... Oui, plus de place. Ah ok. Tu vas nous ramener encore un set, euh, un set de, de folie. Bah tu vois, je vais, je vais, je vais pouvoir en profiter. Voilà. Donc a... j'ai eu Yanoche au téléphone. Il me dit non, non, mais t'inquiète pas, de soucis euh, Voilà, j'ai dit là euh, parce que normalement chaque année ils essayent de, de, faire, euh, de faire, un petit peu différent quoi. Donc euh, donc comme ça, on va plus en profiter. Peut-être que cette fois, je ferai peut-être une, une petite vidéo sur place où euh... <laughs> on verra, on verra. Il peut-être, il y a peut-être peut moyen. Pour l'instant, bon, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a pas de, il y a, il y a, pas beaucoup de vidéos, il y en a pas du tout parce que j'avais rien de prêt. Puis là, bah, je suis reparti à bosser comme il y a pas, enfin comme l'année dernière. Euh, l'année dernière, ça avait été un peu ça. Il y avait eu pas mal de conventions, de choses à droite, à gauche. Puis, euh, bah, des, des choses aussi euh, sur le plan perso, c'est-à-dire que je, bah, j'ai des voitures qui sont pas toutes neuves et que du coup, bah, elles ont besoin d'entretien. Donc, bah, l'année dernière, je m'en suis pas occupé. Bah là, il faut, il faut le faire. Voilà, là, il faut s'en occuper. Faut trouver le temps et avec les conventions, bah les. Les conventions, il ne faut pas que ce soit euh, le truc qui m'empêche de faire des vidéos. Euh, mais euh, mais c'est pour ça que là, là, j'ai refait le point. Euh, j'ai encore plein de, de demandes. Alors c'est ultra gratifiant qu'on me demande d'aller de, en convention, mais du coup, maintenant, il faut que je fasse attention. Euh, à la fois, euh, pas en faire trop d'un coup. Euh, non, le retour de la 21 Turbo, j'aimerais, j'aimerais, mais malheureusement, les, les Young Timers, elles sont parties comme le rétro. C'est-à-dire que c'est parti trop, trop cher, trop loin. Et donc, euh, non, non, c'est juste le bricolage de, des voitures normales qu'on utilise tous les jours. Euh, puis en plus, bah, maintenant, il y a, euh, les enfants grandissent. Alors les enfants ont aussi des voitures, les habitudes de travail changent, donc on a d'autres voitures. Enfin voilà, donc c'est euh, assez, euh, assez rigolo. Mais c'est des bagnoles qui ne nous coûtent rien par mois. Alors bon, bah, on peut bien les entretenir un petit peu de temps en temps. Et comme c'est moi qui fais la, la mécanique, bah, ça, demande, ça demande un petit peu de... Un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, d'investigation voilà, aussi parfois, parce que c'était compliqué. À l'Express, c'était euh, <laughs> mortel. Je revois des vidéos de temps en temps où je me dis, euh, putain, je faisais le, le compte-rendu dans le dans la bagnole, à l'avant, à l'arrière. Enfin, c'était... Côté passager, c'était n'importe quoi. <laughs> Cette bagnole-là, euh, franchement, c'était vraiment cool. C'est dommage que... Euh, j'ai pas pu la, la garder euh, l'express c'était vraiment le, le truc de campagne enfin, <laughs> c'était avec un grand volant <laughs> direction assistée à l'huile de coude comme on dit et euh, un bon vieux poil à fuel euh, de chez Renault euh, ça consommait comme y a pas tu faisais presque je sais même pas si je faisais 500 bornes avec le plein euh, c'était vraiment euh... la prochaine je prends un C15 ouais bah moi je... moi je suis resté chez Renault euh, donc euh... Euh, un vieil express, ça me ferait marrer encore. Puis c'est, des, enfin chez Renault, je sais que c'est des, des, moteurs. Alors c'est pas que je connais les moteurs, mais j'ai presque envie de dire, maintenant je finis par connaître un peu la philosophie du truc. Je sais pas si c'est différent chez, chez, chez les autres marques, pas forcément, mais euh... mais bon, les bagnoles, euh, ouais, c'est quand même. Euh... Bah du coup, ouais, ça demande, voilà, quand tu prends des vieilles voitures, ben euh, tu les payes pas cher et euh, bah, après tu fais l'entretien au fur et à mesure. Donc euh, c'est, c'est le côté un peu. Euh un peu un peu euh, mes, mes, mes canaux euh, je sais pas comment on pourrait dire euh, l'ego technique que j'avais quand j'étais gamin euh. bon je fais pas ça, euh, pas ça pas toujours ça à l'aveugle mais c'est vrai que des fois comme c'est des bagnoles qui coûtent à rien euh, bah du coup des fois je prends je m'inquiète pas trop euh, ne serait-ce que là par exemple euh, euh, alors là, c'est plus de la mécanique, mais c'est, euh, on avait acheté euh, deux deux Clio et chaque Clio, deux Clio 2. Oui, bon bah voilà c'est bagnole bagnoles passe-partout, euh, ça coûte pas cher. Et euh, y a, chaque voiture était avec une seule clé. Et, alors la première, tu dis bon, bah je vais faire faire un double chez un chez un serrurier. Euh, on t'annonce 62 euros la clé, quoi. 60, 65, 70 balles, enfin 65 balles euh, la clé, parce qu'il y a un transpondeur. Alors, il y a un truc à faire avec un ordinateur, un machin, un truc. Tu fais, ouais, bon, je vais attendre. Bon, arrivé là, tu en achètes une deuxième, et puis euh, elle a qu'une seule clé aussi. Tu fais, bon, je vais peut-être me pencher un peu sur le bordel. Et du coup, je me suis fait moi-même les, les doubles des clés. Alors, pas la partie euh, tailladée, là, tu, tu vas chez un. Là, tu vas chez un serrurier, c'est lui qui te le fait, enfin, serrurier, un hein, en cordonnier il te fait ça et puis euh... mais la, la partie électronique bah je me suis je me suis débrouillé parce que bah, quand tu regardes le prix du truc bon bah t'achètes un pauvre truc sur AliExpress tu te démerdes tu connectes le truc tu, tu bidouilles un peu et euh... voilà donc euh... bah, les nouvelles bagnoles c'est du pognon garage pognon garage ça dépend quand tu prends genre euh... tu sais maintenant tout enfin tout est à abonnement c'est à dire que tu prends euh, une bagnole à abonnement euh, elle te coûte 150 balles par mois alors on parle d'une Twingo hein euh, voilà, et euh, de base, on va avoir une Fiat 500, Fiat 500, ouais, Fiat 500 à 150 balles, je crois qu'ils les vendent, euh, ils les font à ce prix-là, 150 balles, et euh, tu as tout dedans, il y a même, je vois, euh, qu'est-ce que j'ai vu chez, chez Cupra, je crois, c'est Cupra, je crois, ils font genre, euh... bon, c'est la bagnole électrique, ah, certes, ok, il y a des débat il y a sur les bagnole électriques, on, on va pas s'étaler là-dessus parce que ça sert à rien euh, mais euh, ils te vendent le truc genre alors, je sais pas je plus j'ai vu 300 balles ou j'en sais rien et as la recharge euh, à vie euh, de la bagnole quoi donc euh, donc ils les vendent tous toutes leurs bagnoles. maintenant ils les vendent euh, ils les vendent euh, bah, ils les vendent avec abonnement quoi Pesca pas là parlons leasing automobile oui 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 Pesca elle est toujours pas là mais bon, j'espère que ça va aller parce qu'elle était euh, elle était au téléphone euh avec, euh, avec le, le veto pour son son papichio euh, papichio que vous pouvez voir sur les sur insta elle envoie sur les réseaux elle envoie toujours des petites des petites photos mais son, son toutou il a, il a il a il a il a un grand âge et du coup euh, c'est compliqué quoi la Renault 25 limousine de mon grand père était incroyable ah ouais, mais c'est des bagnoles elles sont c'est des moulins ils sont ils sont ils sont, ils sont excellents euh, alors pour certains moteurs ça, ça ça développe pas trop trop de chevaux mais euh, mais ouais, ouais, la 25, c'est un truc de fou, quoi. Pour aller au pays Portugal, en électrique, le souci, la route pour y arriver, il me faut trois jours. Oh, il faut pas trois jours, mais il faut ça se planifie. C'est-à-dire que je ne sais pas comment sont les, les autres marques, il n'y a qu'une marque que je connais. Et, euh, et ça, se, ça se planifie à l'avance, il faut, euh, faut une. Je, voilà. Il n'y a qu'une marque que je connais, donc je peux pas dire, mais en tout cas, la marque que je connais, euh, ça fonctionne très bien et, euh, et il ne faut pas trois jours. En Portugal, peut-être. Mais après, suivant les pays, c'est là où après tu te dis qu'il faut, faut vraiment être, être bien calé. Quoi. Euh, bah écoute, ouais, euh, Sanyuki, euh, attends. Attends, attends. C'est copié. Bim. Voilà, tu euh, as le lien euh, sur, euh, euh, sur Insta. Non, Insta n'importe quoi. Sur WhatsApp. Voilà. Mais oui, euh, les bagnoles, euh, je dis voilà, c'est pour ça. Ah ça marche. Pour ça, que je dis, ouais, effectivement, 150 balles, c'est une Twingo. Moi j'ai une Mégane et un espace. Hein, donc je vous laisse imaginer s'il fallait que j'achète ça, enfin euh, que j'ai ça en, en version euh, maintenant avec... Euh... Les, les prix les prix auxquels sont les les les, enfin les locations les machins les trucs pour fait la location ils appellent ça comme ça mais c'est assez ouf quoi donc euh, donc non là sinon c'est cool il y a quand même pas mal de petites choses qui se préparent voilà je disais effectivement sur le l'aspect euh, convention bah du coup c'est euh, euh, c'est vrai que ça demande alors, ça demande un petit peu de temps mais euh, ça dépend de ce qu'il y a à faire en convention mais euh, mais je trouve ça cool après euh, je vais pas je vais pas je vais pas me plaindre c'est effectivement euh, ben euh, voilà j'aime bien ça les SAS pour partir en vacances, c'est top. Ouais, grave. Bah, ça... Bon, après, je me rends compte qu'ils consomment un peu le bougre. Hein, mais, euh, mais non, franchement, euh, l'espace. Euh, euh, c'est excellent. quoi Salut Dorne, comment tu vas Et c'est pour ça que je dis ben, c'est difficile euh, de, 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 de changer de, de voiture, de se dire, si hein, en prend une récente ou je sais pas quoi. Bah, tu te dis, euh, c'est compliqué. Quoi. Sur le prix, bim Bonsoir. Alors, nous accueillons J'arrive, j'arrive, j'arrive. Putain, cette caméra là <laughs> Alors, est-ce que ça marche euh, Tac. Ah oui, t'es que. Je me Attends, tu... ouais. Non, c'est pas celui-là. Ça va bien, Dorn. Écoute, euh, nickel. On attend, on attend Pesca euh, gentiment. J'espère que ça va aller. Euh, on fait un petit tirage au sort ce soir pour, euh, pour la Pop Geek. On avait des, des places à faire gagner. Et, euh, et voilà quoi. Du coup, euh... ah, ou tu... Ouais, je sais pas. Moi, je peux pas recadrer, je crois, sur le truc. Yeah, rock and roll. Bon, ça oh, va top. bien? Top. Attends, faut juste que. Si je te regarde là, pas que j'ai la caméra euh, à l'autre bout. Ouais. Attends, ça va. Avec tout ce qu'ils avaient emmené, c'est trop bien. Mais oui. En tente... ouais, nous aussi, on est en, on est en camping aussi. Mmh. Les étoiles. Là. Bon, donc, euh, bah, en plus, avec Sanyuki, on peut. On peut vous donner rendez-vous euh, prochainement parce qu'on sera tous les deux au Pixel Fest à Dole. Okay, euh, c'est le, le Jura Jura ou j'ai pas fait gaffe C'est vraiment le Jura ou c'est euh, en dessous euh... Euh, Je crois même que Dole, le ouais. nom de la ville où on sera, euh, c'est le chef-lieu du département. D'accord, ok. Bon. Je dis pas de conneries. Bon, je ne je... suis pas un expert en géographie. Mais, mais tu es, es meilleur que moi en géographie. Hein. <laughs> moi, je suis nul. <laughs> Bon, après, c'est à côté de chez moi par rapport à toi. Je suis quand même plus régional que ouais, euh, ouais. toi. <laughs> ouais, mais. Donc, non, effectivement, on sera euh, à la... au Pixel Fest qui est à, qu à Dole et c'est euh, leur première édition. Mais la... je crois que c'est les mêmes organisateurs que le, le festival de... qui est à Vesoul. J'ai oublié le nom du festival à Vesoul, mais. Euh... Euh, le Geek Festival un truc comme ça crois que... Je ne sais, voilà. euh... ouais, sais plus. Geek Fest, je ne sais plus. Mais, euh, Geekfest, ouais, je crois que c'est Quelque chose comme ça. Et, et Vesoul, je sais que l'organisateur m'avait demandé il y a, il y a mais genre euh, 6-7 ans. Quoi, il m'avait dit Ouais, euh, ça te dirait de venir Alors, euh, ouais, mais <laughs> c'est-à-dire <laughs> il y a 500 bornes pour y aller. quoi <laughs> mm -hmm. Et moi, voilà. j'y ai... étais allé il y a deux ans à ouais. Vesoul. Deux ans, 2022. Et, celle... et le, la convention de, de Vesoul, ceux qui ont. Je repense à Geekfest. Non, c'est Geekfest. <laughs> c'est pas la même. C'est pas la même convention. Mais euh, non, à, à Vesoul, euh, euh, c'est un gros gros festival. Enfin, parce qu'il y a 12 parsec. Enfin, il y a du, il y a du monde quoi. Et, euh, et notamment, il y a Nénès. et il sera là aussi à euh, Dol. Donc euh, là, rien que rien que pour ça. Puis euh, ouais. donc là, moi, je viens en invité. Euh, je dis toujours les mains dans les poches et c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir aller sur ton stand. Donc toi, tu, tu, tu peux dire ce que tu ramènes. Ou oui, c'est pas un secret. Ouais. Non, c'est pas un secret. Euh, J'ai <coughs> euh, plusieurs cordes dans mon arc dans le rétro gaming et, et avec euh, l'organisateur, euh, bah, il m'a demandé euh, si je pouvais venir. Je lui ai dit oui. Et euh, bah, la question, tu le retournes dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu veux <laughs> Oui. Bah, euh, et euh, bah, re-question dans l'autre sens, qu'est-ce que as Je lui ai dit, bah, je peux faire ci, je peux faire ça. Et dans, dans la partie qui voulait voir, c'était de la play 2 et euh, je lui ai dit tu veux de la Play 2 normale classique ah oui, ou, un ou un peu... tu veux de l'exotique et il m'a dit non tout ce que tu as de chelou ok j'ai 6 mètres il m'a proposé 6 mètres linéaires c'est pas mal ce qui fait, ça fait 6 machines ouais alors dans mon cas 6 mètres euh... Oui, c'est oui. Oui, vrai qu'en exposition, temps, hein, non. Fait. Ma... Oui, maintenant que, tu... maintenant que tu le dis, effectivement, euh, parce que je crois qu'à à la Pop and Geek, j'ai avoir... 7... 7 mètres ou 9 mètres, il faut que je revérifie. Mais, euh... mm -hmm. Donc, et il y a deux ans, il m'avait demandé combien j'avais fait, et je lui avais répondu 14 machines. Et euh, je lui ai dit, j'aimerais faire un peu moins, parce que la voiture, elle était pleine d'arabe. Blindé, armeur. blindé. Voilà. Et d'ici euh, mètres, je dis ouais, si tu peux faire plus, il faut ouais, je verrai. Donc, euh, dans les deux semaines qui nous séparent de l'événement, euh, il y a encore euh, discussion pour faire un peu plus d'accord, bah c'est cool. Euh, entre 6 et 10 mètres, il euh, y, y a moyen de faire pas euh, mal de choses. Puis ah, suis cool. en train de cogiter, à de la même... Donc, comme dit, c'est oui, ça a l'air vachement grand. Alors 3000 mètres carrés, ça de, de convention, ça se remplit très très vite. Mmh. Euh, ça se remplit assez vite. Faut pas oublier qu'il faut garder l'espacement le, pour les, les allées. Il y a, de, il y a, il y a des, des normes de sécurité à respecter. Il y a, exact. Euh, quand mmh. tu mets tout de suite, alors, tu mets les allées, tu mets euh, les endroits avec la bouffe. Euh, tu prends les la scène ou je sais pas quoi enfin la scène ouais, ouais ça se remplit euh, ça se remplit assez vite euh, et, et puis il y a enfin, je... d'autres gens qui exposent donc euh, ces gens-là il ouais. faut aussi les caser offrir de la diversité la euh, vente je et tout donc euh... ce qu'il y avait dessus ouais. bon. euh, d'ailleurs bon. à propos de vente il euh, y, y a alors je vais juste dire son prénom il y a Jordan qui sera là ouais. oui oui oui, oui, oui. C'est euh, voilà. Jordan, c'est. Euh... J'ai oublié le, le nom de son stand, mais non, non, oui, il sera là. Euh... Non, bah. <laughs> je ne me, euh... me rappelle plus. Mais je le connais, mais je ne me rappelle plus le nom, c'est des. Stock game. Ouais, c'est ça. Merci, bien vu. Alors, il je... faut juste j'appelle euh, Pesca vite fait, je suis désolé. Euh... Pris. Et... Alors... Coup, bah, pendant fais... que tu téléphones, moi, je vais faire la promo. Acheter de la PS2, pas de la PS1. <laughs> Ah, attends, je vais juste couper couper comme ça. Euh, je fais juste une petite pause. Euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que on est toujours là Donc je vérifie, il faut que je récupère le chat. On est revenu. On est revenu, Sanyuki. Alors attends, je vois juste ça mais le ah, chaudron magique. Okay. Normalement on est de retour. Voilà. Mais on entend encore ton micro, Sanyuki. Ouais. Ah oui mince, bah, je... c'est bizarre. Bon bah je croyais l'avoir coupé, bah, désolé. Bon voilà, euh, donc on est, on est de retour. Ça, j'ai pas trop raconté de conneries donc. Non non, c'est vrai c'est vrai. <laughs> bon désolé. Donc du coup j'ai euh, même changé le titre parce que malheureusement Pesca pourra pas être avec nous euh, ce soir voilà. Euh, mais, euh, mais 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 du coup c'est moi qui vais faire le tirage au sort pour euh, pour sa chaîne, elle va m'envoyer. Euh, ça marche. Donc de son côté les noms sur Facebook et puis. Et euh, eh bah, ben ok, ça marche donc il faudra que je fasse le, le tirage au sort sur la, le, le côté euh, euh, Pesca parce qu'il y a des noms que j'ai aussi de mon côté, mais parce euh, que euh, ça, ouais, si on remarque, oui, non, après tout, c'est pareil. Je veux dire, je sais pas si, si les gens euh, gagnent deux places ou j'en sais rien. Bon, bref, on va voir. Euh, salut Tomouf, tout est ok, c'est le point Merci, merci, merci. Donc, euh, donc, ouais, bah, euh, du coup, on disait effectivement, les stands, ça se remplit vite. Désolé, voilà. Désolé pour la coupure. On disait effectivement, les stands, ça se remplit vite. Juste une petite, une petite idée, par exemple, euh, les stands que, que je fais euh, parfois euh, à, avec, euh, avec Sylvain, quand on met des bornes, euh, les bornes, les tables, les machins, et trucs, euh, quand on est, euh, euh, c'est sais pas c'était si Chibi, euh, Chibi euh, ou d'autres, euh, t'as euh, un stand qui fait 10 par 10, bah, ça fait tout de suite 100 mètres carrés, quoi. Tu dis, ah ouais, 100 mètres carrés. J'ai fait. Euh, bah oui, 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 oui. Et à Deauville, c'était même encore un peu plus grand. Euh, bon, il y a, il y a des, fois, euh, des fois, il y a un peu trop de place par rapport à ce qu'on a à mettre. Mais on, des fois, c'est... Il, il y a la place. ils me disent Bah voilà, vous mettez là, faites. Euh, voilà. Vous mettez comme vous voulez. Alors en général, je prépare un plan avant parce que pour remplir 100 mètres carrés, tu, tu, tu choisis ce que tu emmènes quand même. Mais. Euh mais c'est voilà je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien être juste en, en invité puis ça permet de profiter puis de voilà Et en plus quand, me, quand je suis en invité bah je, je, je je vraiment je c'est pas que je me pas que je me force c'est que je me je me dis bah il faut il faut faire le tour des, des stands parce qu'en plus les stands ça leur fait plaisir euh, de se dire ah bah c'est qui, qui ce gars-là c'est euh, qui c'est qui ce gars-là en invité c'est qui les gens en invité bonjour bah, bah oui euh, je ne vais pas dire bonjour je suis en invité mais non euh, ceux qui te connaissent juste, où ils voient ta, ta tronche bah du coup je me dis ça fait ça fait plaisir chez euh, nous en tant qu'exposants, qu quand les invités font le tour bah, on trouve ça cool par exemple tu sais les comédiens de doublage ou les euh, de, mmh. guests euh, moi je trouve ça vachement cool quand, euh, quand ils font le tour des stands où ils viennent euh, bon quand ils font un peu de shopping ou j'en sais rien, bon moi je fais pas de shopping mais je fais mmh. <laughs> voilà au moins discuter rencontrer euh, faire connaissance quoi il bah, y a une manifestation à Lausanne qui s'appelait la Japan Manga Family. Euh, on a eu Brigitte Lecordier sur notre stand. Ah, et, cool, euh, elle s'est assise dans un canapé euh, qu'on avait mis devant une Super Nintendo avec euh, coup de bol, un jeu Dragon Ball euh, ah, excellent. Euh, sur Super Famicom. Et puis euh, on a réussi à faire des photos. Où tu vois Brigitte Lecordier avec une fillette de 6-7 ans qui joue. Je ah, la vois, que... elle la touche et tout. Euh, C'était pas les deux, deux canapés orange là qu'il y avait ou euh... Oh, la couleur du canapés je m'en souviens pas mais... ah, a... non c'était n'était c'était pas récent récent alors il y a une année euh, décembre 2020 ah d'accord euh, non parce que là j'ai vu des photos passées et il y avait donc un il euh, y avait il y avait un, un salon où vous aviez mis euh, des grands écrans des voilà il y avait plein de monde qui jouait ouais. à différents jeux et il euh, y avait même enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des des, des gamins et j'étais surpris je me dis tiens c'est marrant de voir des gamins qui jouent bah, y il avait, y avait Mario Kart sur euh, Super NES enfin, et il y avait euh, voilà, des jeux, des jeux pas, pas, pas que du jeu récent et je me dis tiens c'est marrant d'arriver à avoir des, des, des gamins venir jouer à du jeu rétro alors c'est particulier cet événement c'est parce qu'en fait c'est une maison de quartier qui nous engage euh, et eux la maison de quartier organise un tournoi sur deux jours ouais. euh, donc la maison de quartier où tu as des, des, des jeunes qui font des équipes de trois et tu as aussi euh, d'autres maisons de quartier qui viennent là-bas Ouais. Donc, il y a un peu, euh, un peu la guerre des gangs et tout, parce que c'est ah. un peu genre, ouais, mais tel quartier, machin. Bref, et puis ils se mettent un peu la pression. Et euh, ils organisent un tournoi euh, sur PS4. Ouais. Donc, euh, le tournoi il a lieu sur deux jeux vidéo. Il y avait, euh, wow, je ne sais plus le nom du premier, mais c'est un jeu populaire. Euh, ah, euh, le Brolala. Le, le samedi, c'était sur Brolala. Et le lendemain, c'était sur Crash Team Racing sur PS4. Brolala Qu'est-ce que que ce jeu-là alors, Brolala, c'est un jeu indépendant qui reprend la, la méthodologie de jeu de Smash. Smash D'accord. Je ne connaissais pas Soit du tout. Ça s'appelle Brolala. Smash. Euh... Voilà. Brolala. Ouais. Et euh... donc, voilà, ils ont joué à Brolala le samedi. Il euh, y a eu des gagnants, des, des gens bien classés. Puis il bah, y a un système de points. Et après, sur CTR, euh, le dimanche. Et ces jeux cachés, par contre, ils ne peuvent pas s'entraîner parce qu'ils ne savent pas sur quel jeu ils vont jouer. Ah euh, oui, ça, c'est rigolo, des ça. Des Donc, euh, ils ne peuvent pas vraiment stratégier. Et euh, bah, au final, c'est le cumul des deux journées où ils établissent un classement. Et euh, bah, vu que c'est une maison de quartier, c'est sponsorisé par la ville. Et ils ont eu de très, 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 très beaux lots. Ah, c'est cool, ça. Euh, mais, mais, genre méchant. Hein. Même ah ouais nous, ça nous a choqué alors qu'on a un peu l'habitude. Ouais, les, les premiers, l'équipe des premiers. Ils ont gagné une PS5 Slim. Ouais, par mais personne. Bon. Ils sont trois, donc il y avait trois consoles, une manette supplémentaire, un stand vertical pour la Slim, fois trois. Ça, ça va. Ceux qui ont fini 15e, ils ont quand même gagné un bon de 40 balles à faire valoir dans, un, dans, dans une boutique de frags. Tu m'étonnes que tu avais en fait du monde qui venait, euh, qui venait jouer. Euh... Ouais, ouais. Et euh, nous, bah, on était là en animation euh, en freeplay. Et puis euh, on a fait un petit un petit défi euh, sur euh, Mario Kart, c'est pour ça que tu l'as vu sur Snap. D'accord, ok. Voilà. Puis, non, ça euh, c'est cool ça quoi. J'en profite donc, cool. pendant que tu parles, je note les noms euh, que Pesca m'a envoyés. Oui, je en prie. Pour son, son concours, parce que oui, euh, à la base, euh, on doit faire, on devait faire un tirage au sort ce soir. Alors. Bah, pendant que tu es un peu occupé, euh, je vais te questionner un petit peu. Euh, quel est le dernier jeu de PSA auquel tu as joué ou tu tu découvres sur le tard euh... Que je dise pas de bêtises. Euh... Merde, attends, j'ai un, un doute. <laughs> Tant qu'à faire, on inverse les rôles. Hein. J'avais un doute parce que j'en ai essayé deux euh, Meg Megaman X3. Megaman X3 ouais. que je. Voilà. Euh, merde, du coup je l'ai noté ou pour lui. Megaman X3. Donc le lance fait euh, oh bah c'est cool euh, c'est cool. Bon bah c'est de la 2D, c'est un peu euh, un peu euh, un peu beaucoup à l'ancienne forcément, c'est aussi pour ça que l'époque ça a pas fait euh, ça a pas fait euh, recette parce que ça reste euh, euh, bah, ça restait de la 2D enfin puis très 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 commun, enfin euh, ça révolutionne pas le truc mais bon c'est joli. Il y a quand même un facteur où euh, tu as l'impression qu'ils ont piqué un jeu à la NES. Moi, c'est toujours comme ça que je le vois quand tu me parles d'un bah, Mega Man sur Play. J'ai toujours l'impression qu'ils sont allés servir sur une Nintendo pour faire un jeu. Quoi. Alors, je suis pas, suis pas allé encore tester euh, le, le dernier qui donc euh, est, sorti, est sorti, le dernier, le, le dernier, les deux derniers, je sais plus qui était sorti euh, sur, euh, comment dire, euh, bah, que sur Play et pas sur Super NES. Voilà, c'est bon. Ouais. Euh, mais du coup, je... alors quand j'essaye le, le X3, je me dis, euh, oh bah il est, il est, il est cool. Bon, c'est un petit peu dur à Megaman, hein, je vais pas aller bien loin, mais bon, en même temps, j'y ai, ai pas consacré non plus une, une après-midi, donc euh, je suis bon bah c'est cool. Je attends, c'est vrai que le X3, mais j'ai le 8 qui est pas loin, alors je mets le 8, et je fais, oh putain, le 8, euh, tu sens que là, ouais, c'est un jeu Super Nintendo, quoi. Tu fais, euh, la vache, okay. euh, pas les mêmes graphismes, là, tu, tu, tu sens qu'il a pris un, un petit coup de vieux, quoi. Euh, et ce, ce fameux Megaman, euh, alors Mega Man X3, Megaman 8, je me dis attends, attends parce que moi j'ai joué à Megaman 2. Euh, il se passe quoi dans Megaman Tu sais, as, as des personnages, tu alors euh, pff, bon le truc qui démarre, tu fais c'est pas que t'en as un peu rien à foutre, mais tu tu dis euh, ok bon c'est la, la base des Megaman. Je me dis attends je vais aller je vais aller voir scénaristiquement c'est quoi l'évolution de Megaman quoi. Alors, tu as mmh. le premier Megaman avec le Docteur... Enfin, euh, il y a le Docteur euh, Light et le Docteur... Ou Docteur White ou Docteur Light, je sais plus. Light et le Docteur Willy. Le, ou le Docteur Willy, je crois que c'est le méchant. Il me semble c'est un truc comme ça. Dans le premier, mmh. tu avais des, des robots pour aider euh, à construire une grande ville, je sais pas quoi. Puis finalement, euh, ils sont devenus méchants. Ou il y a quelqu'un qui, qui les a devenus rendus méchants. Dans le deux, tu as l'impression que c'est la même histoire. Et puis en plus, bah, des fois, il y a des changements d'histoire entre... Euh, au Japon et en Europe et aux États-Unis, tu fais. Tu as l'impression qu'entre le 1 et le 2, c'est exactement la même histoire. Et après, tu avances, tu avances dans le temps. Euh, pff, bon, t'achètes bon, pas un Megaman pour son scénario, quoi. Clairement. Euh... <rire> <rire> voilà. Euh, mais à, à résumer, je veux dire, tu prends le truc, tu fais bon, ok. Il euh, y, y a pas mal de. Tu un peu l'impression que ça se suit. Et, euh, et tu te dis, et X3 c'est quoi Alors, Megaman X, c'est genre ça se passe, c'est quoi 100 ans après les Megaman normaux. Mmh. Et, euh, et voilà. et Mais en gros, c'est la même, mais on recommence. Okay. Donc, euh, bon, ouais, ok. Euh, je comprends qu'à l'époque, ça n'avait pas, pas déchaîné les passions. Euh, ils ne sont pas allés faire comme, euh, comme Castlevania, vraiment casser les codes avec le Symphony of the Night, par exemple, où ils ont vraiment allé. Euh, euh, bon. donc, euh, donc, non, voilà, Megaman, Megaman X3. Et j'y suis revenu. Euh, j'ai testé le X3, puis le, le 8, et euh, je suis reparti sur le, le X3. Vers la convention de Popen Geek, j'ai Yasmine et Vincent. Ah, ça marche, ok, c'est Wiz. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Donc, euh, donc voilà le X3 le, le dernier jeu que j'ai lancé dans la console et euh, il aurait fallu que je fasse un petit, euh, un petit test mais j'ai pas euh, voilà faudrait que je, je filme mais bon j'ai vraiment lancé le truc en, en mode euh, voilà comme ça quoi et puis si bah, j'ai mmh. si et puis j'ai passé euh, Voilà. j'ai passé euh, on va dire une, une heure à installer une heure et demie à installer ce truc bah pendant que ça ça s'installait je testé tester les megaman 8 et X3 okay. Est-ce que tu as oui. profité de ton jeu dans, une version, enfin dans ta PS5 et de profiter de la version PS5 Bah oui, bah oui. Okay. parce que du coup, tu as euh, 70 go à charger avec euh, la version PS4 ou 60 go je sais pas quoi. Puis une fois que c'est installé, et il te dit bah, si, si tu veux, il y a 100 gigas pour la version PS5, bah oui, vas-y, je vais pas jouer à une version PS4 qui était toute puguée ou je sais pas quoi. Donc, euh, en plus, elle bah, est ça tient bien non mais en plus ils te disent bah elle est gratuite alors bah oui vas-y fais la mise à jour PS5 bien sûr bien sûr donc oui voilà j'ai lancé j'ai lancé Cyberpunk 2077 mais alors putain le début c'est quand même bon il y a une explication je peux t'aider un petit peu si tu veux moins de faire chier ah je veux bien quand tu commences quand tu commences t'as trois factions auxquelles tu peux choisir donc ceux qui sont dehors ceux qui sont dans la ville et, et, puis, le, et, et les, les, les hauts gradés, enfin je sais pas quoi, là, enfin, euh, les clans ou je sais pas quoi. C'est euh, ça. ça. Et le dernier, c'est celui qu'il ne faut pas prendre parce qu'au début tu t'endors. Ah, okay. Malheureusement, mais... quand j'ai commencé la première fois sur PS4, j'ai pris ceux-là. Et je savais, à... mais il est chiant à mourir ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu où tout le monde se ouais, hype ouais. dessus Et on m'a dit, mais prends ceux qui sont dehors ou ouais. euh, les, les rebelles ah, J'ai pris, euh, euh, pris ceux qui sont à l'extérieur. J'ai pris ceux qui sont à l'extérieur. C'est seul que euh, j'ai pas fait encore. Mais euh... bon, à, à voir. À voir. Euh, pour l'instant, il y a plein de boutons, il y a plein de touches, il y a plein de. Puis, tu... Du tuto, euh, vas-y, lire et machin. Tu voilà. fais, euh... Bon, c'est pas hyper naturel. Il euh... euh, y a un tuto que j'ai pas compris, je l'ai refait 2-3 fois. Au bout d'un moment, je Ah, ok, bon, c'était vraiment. Je pensais avoir loupé un truc. Et en fait, euh, non. Enfin, voilà, bon, bon, bon. bon, bon. Mais euh, bon, la okay. première soirée où j'ai lancé le truc, euh, vu qu'il a fallu une heure et demie pour l'installer, au bout d'un moment, tu commences à dormir devant la télé, tu fais, bon, il est peut-être temps d'aller se coucher là, donc il y a des trucs où... Euh, voilà, je pas forcément tout capter, mais euh, non, après, euh, bah, c'est cool, il est en français, c'est joli, c voilà quoi. Mais, euh, mais je ne sais pas si ça va me, me faire kiffer, euh, euh, je ne sais pas si du... du... Je sais pas, tu sais, les arbres de compétences, les machins, mais je m'en fous, vas-y, quoi, joue, avance. <laughs> Alors malheureusement, ça fait partie de ces jeux. Ils sont justement compliqués parce qu'il faut s'impliquer. Si tu es ouais. juste là pour faire et marrons ces bidules, ça va être long. On verra, on verra, mais bon. Mais tu fais partie de ces gens qui, comme moi, apprécient le jeu. C'est en 30 secondes tu peux jouer. Ouais. Il euh, y a pas, il a pas de blabla, il y a pas de, il faut, faut stuffer. C'est pas là pour ça. Tu peux avoir un peu de blabla, mais enfin tu vois c'est pareil. Pour choisir ton perso au début. Ouais, J'ai choisi la coupe de cheveux et basta. Le reste, on s'en fout quoi. La couleur des yeux, le machin, le truc. Vas-y quoi. T'as vu que euh... tu peux même le voir Kiki, tu peux le voir tout nu et tout. Oui, non, mais je, je, je l'ai vu il y a longtemps, mais je suis même pas. Ouais, tous les <laughs> jeux de maintenant, c'est comme ça. Et bah, c'est c'est bien pour ça que. Enfin euh, ce week-end, ça faisait partie du débat justement où. Euh... Euh, alors, c est, c est, moi je, je suis en mode vieux con où je ne. Je, 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 malheureusement, je joue pas beaucoup. Enfin, je joue un peu sur les consoles récentes, mais euh, je, vais, je vais préférer la facilité euh, des, jeux, des, jeux, des, jeux, des jeux. Enfin, je suis un casu. Enfin, je, on va pas se mentir, je suis pas un hardcore gamer, quoi. Et, euh, et du coup, je, je me dis, mais euh, les, les mecs, il y en a beaucoup qui critiquent les jeux, les jeux récents. Euh, et du coup, je me dis, mais, mais du, pourquoi, pourquoi vous insistez Pourquoi vous les achetez Pourquoi vous avez toujours espoir que ça va bien se passer Ça fait des, des depuis la, la fin de la PS3 que c'est comme ça. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous rachetez encore un Zelda Pourquoi vous rachetez encore un, un Resident Evil Putain, mais vous les avez déjà eus euh, avant. Bon, par curiosité, mais allez vers autre chose de temps en temps. Alors, il y a des gens qui vont vers d'autres choses. Mais moi, j'ai as, as un peu, peu l'impression que normalement, bah, ça tourne en rond. Les gens parlent toujours des mêmes jeux, quoi. Mmh. Euh, ah, bah oui, les oui, jouez, bon, le les, les triple A peut-être, pourquoi pas, mais. Et, euh, et je me dis, tu vois, bah, Zelda, bah, je sais, Breath of the Wild, oh, non, je vais plutôt aller rejouer au premier sur la NES, quoi. Je ne l'ai pas refait depuis des décennies. Je me dis, j'ai tellement d'autres choses à, que je n'ai pas fait encore. Euh, je sais pas. Donc, euh, des fois, je me dis, euh, soit les, les gens sont vraiment mazos, ils aiment bien <laughs> refaire toujours les mêmes trucs. Tu vois, là, il y a. La, je vois par exemple. La trilogie Tomb Raider qui est sortie. Bon, alors en plus ça sort pas en physique apparemment là pour l'instant, je sais pas si ça ressortira un jour. Mais bon, ça c'est un autre débat hein, mais, mais je me dis bah moi j'ai pas fini Tomb Raider 2. Bah vas-y, c'est l'occasion de le remettre dans la play. 1, on se fait un petit let's play. Euh, vas-y, on en avant en fait Tomb Raider 2, mais je vais pas aller racheter la la trilogie. Enfin, je... bon, c'est bien. Mais je... <laughs> mais tu pas le public pour ça. Il mais... y a des gens, il qui... y a, y a as des, as des gens je sais pas Pourtant, on est, on est quand même plusieurs comme ça à être un euh, euh, enfin, rétro-gamer, j'ai envie de dire, à, à avoir quand même les consoles récentes. Et, du coup, ça, 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 ça s'adresse à qui, ces jeux-là Tu vois, c'est ça je me dis. <laughs> c'est des gens comme nous, mais qui, ont, euh, qui, ont, qui sont passés à autre chose. Ouais, comme les vidéo, consoles dans leur vie. Ouais. Et, voilà, ils n'ont plus une machine d'origine. Ouais. Et puis, par la force des choses, bah, ils ont 35, 40, 45 ans. Ils se sont achetés une machine où le gamin on a une, et puis euh, bah, c'est l'occasion. Ah, tu peux voir ta trucs là J'avais la même quand j'avais ton âge. Ah, bah, il ressort Tom Rider. Vas-y, passe-moi la manette. Et puis, on voilà. ah, essayer Le ouais. côté, euh, on fait appel au bon souvenir. Ouais, Quelqu'un ouais. quelqu qui a le jeu encore, comme nous, parce que moi, j'ai aussi des Tom Rider, bah, ça, tu l'achètes parce que tu as la collectionnique aiguë et puis tu veux ton Tomb Raider d'époque sur PS5. Ouais, voilà. la machin, les moi Sinon, euh, ça sert à rien. C'est pas C'est bon bah, bon un peu le problème que j'ai eu avec. C'est la... comme les tripes des consoles mini. Les consoles mini, c'est pareil. Bah, c'est ça. Ça parce passe pas plus équipé. C'est tout. Et bon, mais après, c'est malheureux. Mais pourtant, il pourtant, y a plein de plein de nos, comp nos, nos, nos compatriotes enfin, euh, rétro-gamers qui ont acheté les consoles mini. quoi. Et euh... Oui, mais ça, ça c'est l'effet entassement. Tu as vu ouais. J'ai la petite machine de la grande machine. Et d'ailleurs, quand euh, la, 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 tu prends la Play 1 ou la Super Nintendo ou la NES sont sorties, ils faisaient quoi Ils faisaient un retour achat et ils prenaient leur petite boîte qu'ils venaient d'acheter, ils, ils prenaient la console d'époque. Ouais. Ah, elle est plus petite. Euh, sans blague, c'est une console mini. Tu t'adressais à quoi que <laughs> Non, mais t'inquiète, El Chorizo, je pense qu'on on, s'est tous fait avoir aussi. Enfin, je veux dire, même, même moi, il y a des trucs que j'ai achetés, je, je suis sûr, hein, je peux pas, on ne peut pas acheter la pierre, hein, je veux dire, j'ai acheté clonoa euh, Bon, là, là, je sais que, par exemple, la version sur Wii, elle était quand même vachement plus belle que la version PS1. Et la version PS5, je voulais... Voilà, même si je joue pas tout de suite, je me dis, bon, je sais que j'aurais un peu envie d'avoir un truc plus joli, une autre expérience sur le même jeu, pourquoi pas. Mais, euh, mais juste pour la collection, je ne joue pas avec... Bah, moi je me dis j'aimerais bien choper une PS cl... une PS1 classique une PS une PlayStation mini mais bon, bon pour au moins l'avoir tu vois pour <laughs> je... bon voilà la déballer allez est... est... bah oui maintenant elle est partie dans des tarifs un peu un peu fous je me dis oh, tiens euh, je... moi j'ai cramé ma... ma SNES mini, c'est quand même pratique. Tu joues à la SNES vite fait, tu branches ouais, la mini, oui. oui. hop ça marche. Et je l'ai cramé, je suis bon bah, je vais m'en repayer une. C'est plus cher que neuf. Non ouais. mais Maintenant, les gens ils vendent ça. Ah, mais c'est euh, pour collectionner. Hey. 150 balles, une SNES mini, deux cases. Non mais vous la gardez prix-là Ouais, bah hey, mais c'est marqué Super Nintendo dessus là. Regardez, monsieur, là, il y en a une, elle est à 300, 350 euros. Oui, mais c'est une vraie en boîte. Ouais <laughs> ah, c'est bon. compliqué. Bon, je fais, ah, okay. je fais juste vite fait euh, la petite parenthèse sur euh, le tirage au sort pour euh, pour comment dire. Euh, la Pop'n Geek 2, je rappelle, Pop'n Geek c'est 2-3 mars, je dis pas de bêtises, ça va venir très très vite! 2 et 3 mars à Conchonouche. Euh, c'est organisé par euh, euh, Geek, euh, Geeker Store, euh, l'association euh, game Gamer, voilà, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, et ben je 27. serai là-bas. Oui, tu voulais dire Non, vas-y, vas-y. J'ai dit dans le 27 Oui, dans l'heure, effectivement. Et il y aura Marcus, il y, y aura Marcus. Et ça, se passe, et ça se passe à New York Hotel et déjeuner compris. Tout à fait. <laughs> au Plaza, Plaza Hotel. Donc, euh, donc non, c'est à, à Conche dans, dans l'heure. donc bah, C'est cool parce que l'année dernière, déjà, ça avait, ça avait bien, bien pris. Et euh, franchement, ils se défoncent, ils se, défonce, il se démènent pour euh, faire bouger les choses. Euh, autant vous dire que dans l'heure. Les, les conventions qui sont dans l'heure on les compte euh, on les compte euh, sur les, les doigts d'une main deux mains oui une main on a beaucoup en seine maritime euh, bernès est dans l'heure je crois il me semble il y en a il y en a vraiment pas des masses je vous cache pas qu'il y en a pas des masses hein. euh, bref donc il y avait un petit concours d'organiser pour gagner des, des places euh, des entrées euh, donc, on avait mis en, en commun avec Pescar, on avait fait notre petit live la dernière fois pour dire euh, on fait on fait gagner des places. il y avait deux fois une place à gagner sur Insta et deux fois une place à gagner sur Facebook. Et c'était la même chose euh, sur, sur la page de Cyril 2.0 et puis sur la, la page de Pesca. Ça faisait au total 8 places à gagner, ce qui est pas mal. Donc pour euh, Instagram, bah c'est facile, il n'y a que deux personnes qui ont participé. Donc bah les deux personnes remportent chacun une place. Euh, euh, c'est Danou. Danou qui avait participé euh, sur, euh, sur Instagram et Damien Montero. Donc voilà, tous les deux. Bah, vous remportez une place pour, euh, pour la Pop and Geek. Donc, on en verra le, le petit mot qui va bien. Et pour, euh, pour, euh, pour Facebook, eh ben, il y avait 6 personnes. Je dis pas petit. Il y a 6 personnes qui ont participé. J'en vois 6 ou j'en vois pas 6 2, 3, 4, 5. Pourquoi je ne vois pas le 6 e Attendez. Il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je n'ai pas le 6 e alors, ah, attendez. J'ai pris... Donc, si il est participé pour être le sixième, profitez, c'est maintenant. Non, bah, c'était jusqu'à 20h, 20 on avait dit jusqu'au... Donc là, il y a le, le, petit, le petit mug, mais j'ai noté les noms, hein, je comprends pas parce que... Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Oui, il y en a que 5, attendez. Je dis peut-être des conneries. Ça, ça c'est assez fréquent. Donc on va quand même revérifier. Je ne voudrais pas dire de, de bêtises parce que... Est-ce qu'il n'y avait que 5 Alors, il y a où le concours le concours, il y a six commentaires, bah ben non. 1, 2, 3, 4. Ah ben non, c'est ça. Ah oui, non, il y a que cinq personnes qui ont, qui ont participé. Donc les cinq personnes qui ont participé. Ben, j'ai mis les petits noms sur les papiers. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer Oui, les papiers, ça sont dans le fond. Et on secoue, secoue, secoue. Voilà. <laughs> Et une main innocente va piocher. C'est fait, fait euh, Ce contrôle huissier, voilà, merci euh, Sanyuki, notre huissier du soir. Elle <laughs> est gagnée, bah voilà. <laughs> tu vois Alors, on a Roro. Voilà. Roro qui a gagné une entrée. Sur Roro, fan de rétro. Oh, je oui, touille. Fan de rétro, ouais. Je touille, je touille. Et on a... Thomas Basile. Voilà. Cool. Bon bah bravo bravo à tous les deux alors du coup j'enlève mes papiers qui sont là je les pousse d'ailleurs on pourrait j'allais dire on pourrait presque regarder après si on se fait pas un petit un petit 8 x3 vite fait les faire tourner les faire tourner après ça pourrait être ça pourrait se faire alors j'ai peu... hein ah, à Raider 2 ouais c'est vrai c'est vrai Remarque ça, je préférerais peut-être plutôt lancer vraiment euh, un vrai live euh, et, et faire un, une vraie soirée peut-être. Euh, plus longue, je veux dire plus longue. Euh, je suis en train de chercher qu'est-ce que je raconte comme bêtises. Alors, euh, non, Pesca m'a envoyé ça. Voilà. Alors, chez, euh, sur Facebook, il y avait 3 personnes et sur Insta, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc pour les bref. On va faire sur Insta. Alors ça ça c'est à moi les deux c'était là. Il y a un petit peu plus de monde ils sont là. Ils sont là, ils sont là, c'est pas les mêmes, je les avais écrit tout à l'heure. Donc là, on va une main innocente va piocher là dedans. C'est Comment Je à... suis témoin elle est innocente. Pour, pour l'instant elle est dedans, elle est innocente. Et donc nous avons Qu'est-ce que j'ai Chronix. Chronix d'Escobar. Moi je dis pas de bêtises. Chronix d'Escobar. Je vais me le mettre là. Et après il faudra que j'écrive les trois autres noms. Oui, touille, touille, touille. <laughs> Qu'est-ce qu'on a Et on a... Charlie Delta67. Excellent. Il y avait même quelqu'un qui a participé, ça m'a fait marrer parce qu'il a un pseudo qui s'appelle 201 gigawatt. Hmm. <laughs> fait marrer. 2,21 gigawatts. Alors, j'enlève les petits papiers. Et je vais refaire les autres. Euh, J'ai dit il y avait... Donc ça, c'était cela. Emilie Petit. J'en profite. Voilà. Et toi de ton côté, Senyuki, c'est quoi le... le jeu que tu découvres en ce moment euh, attends. Vas-y, vas-y. J'ai vu que j'étais à, à Lyon à la, à la Polygone, il y a. Oui. jours. Ouais. Il y a peu de semaines, hein, vu qu'on est vendredi demain. Ouais. Euh, j'ai découvert euh, Laser Pitium, qui est un jeu euh, de shoot'em up qui a été fait par des Français. Oui, oui, je connais. Oui, oui. En plus, je devais faire un, un petit live euh, avec. Euh... Mais oui, oui, super cool en plus. Et comme un comme un boulet, bah, comme d'habitude, j'ai pas eu le temps. Et euh, donc ça c'est un jeu que je découvre en ce moment. Il n'est pas évident, mais je l'ai volontairement mis en mode normal parce que je ne vais pas le mettre en mode facile, je me fais violence, je vais y arriver. Mais euh, bonne découverte, je ne connaissais pas. Et en visiblement ce jeu était sorti il y a déjà un petit peu... Il y a un petit moment, ouais, c'est st Stéphane moment, que tu as vu non Ouais, j'ai eu Stéphane exactement. Ça. Ouais, et super sympa et tout, et franchement, c'est effectivement c'est les Français et... et justement, bah comme toi, tu vois, j'ai fait là un peu le, j'ai fait un premier niveau, j'ai dû aller au deuxième, mais euh, c'est c'est tendu du slip. Alors c'est un jeu pour Dorne, je sais pas s'il est toujours avec nous, mais euh, je pense que c'est plus un jeu pour Dorne. Dorne il... Il maîtrise un peu plus les shoots moi je le fais volontairement sticker arcade. Je me suis dit, ah ouais, je shoot ouais. Égale stick arcade. Pour la blague, effectivement. Pour l'effet comme à l'époque, bien que le jeu soit de 2023, mais euh, la logique de construction est quand même sur un jeu qui a oui, oui, 40 ans. Hein, oui, 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 oui. Mais, euh, mais j'adore ces jeux style d'époque. Euh, en fait, ce qui est génial dans ce genre de jeu, c'est qu'il n'y a pas de limitation euh, par rapport à, à l'époque de, de la 16-bit, c'est oui. si la Super Nintendo, la Mega Drive ou encore la Neo Geo. C'est qu'à un moment donné, tu devais t'arrêter dans, dans, tes, dans tes envies de développeur. Ouais. Parce que la machine marquait un, un, un arrêt genre « Non, plus possible, t'en demandes trop. » Et maintenant, de faire un jeu comme ça qui tourne sur machine actuelle, euh, ben, la limite. limite, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est tout là-bas au fond. Très, très loin, et oui, 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 tu... oui, oui. Ah, C'est ce que m'a dit Stéphane. J'ai fait le jeu, il pèse. Il me dit, ouais, 2 gigas quand même. Pas ouais, pas <laughs> ouais. Mais, euh, mais t'as de la profondeur de champ, c'est beau. Ça. Euh, tu sens qu'ils sont de à cœur ah. jour en disant c'est bon, on a la marge bon, ». Faut... Il a quand même avoué, mais ce n'est pas un secret. Pour ceux qui ne connaîtraient une... pas, Laser Pitium, euh, c'est Laser ça. Pitium, oui. Laser ouais. Pitium qui est donc un shoot up en 2D. Et c'est français, c'est français, monsieur. C'est français, monsieur. <laughs> c'est français. <laughs> non, mais... Et en plus, c'est tout, fait, tout fait à la main. Enfin, je veux dire, les, les décors, il ouais. me ouais. semble. C'est fait les euh, euh, à l'ancienne. à la main, exactement. ouais. Voilà. ouais. Et euh, donc, le jeu a d'abord été conçu pour euh, être vendu que sur Steam. Ouais. Et après, en fait, ils ont trouvé un éditeur qui, a, qui, qui a fait de l'adaptation pour console. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait partie des cinq machines euh, modernes en dehors du PC, c'est-à-dire les, les deux générations euh, Xbox et les deux générations euh, PlayStation. PlayStation S4, ouais. PS5 Xbox One, Xbox Series S et X. Et aussi euh, la machine de chez Nintendo, donc la, Switch. la Switch. Ok. Oui, non, j'avais vu. Euh, bah, DGJX l'avait testé aussi. Ouais. Et, euh, et je sais que. Euh, je, voulais, je voulais faire un, un petit let's play, un petit test en let's, let's play, mais avec euh, une petite interview de, de Stéphane. Parce qu'en fait, quand on s'est vu euh, au SRG, on a discuté. Mm -hmm. et, euh, et je me dis, mais, mais tout ce qu'il me racontait, je fais, mais il faut, il, faut, il faut le dire, quoi. Tu sais, il faut, faut en faire une, une interview ou un truc. Parce que je me dis, bah, tu vois, c'est fait. Euh, bah, ils ont fait ça avec amour. Enfin. Je suis en discussion avec Stéphane depuis 10 euh, jours. Ouais. Il serait question qui viennent euh, à la Rétromania. En train de voir euh... Rétromania qui bah, avec est Avec ses, ses Qui est, Qu est où Ah, pas hier, voyons, cette question. Ah, bah voilà Ah, oui le, le la, 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 la convention de l'OCCC. Non. La convention de l'OCCC, c'est un martini. Ah merde, ça j'étais pas loin. Alors Payerne, c'est une ville qui est sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Donc le lac de Neuchâtel, c'est une espèce de rectangle. Et puis bah, ouais. en bas. Et la Retromania, c'est euh, une convention. Euh, c'est une bourse de jeux vidéo qui se tient dans deux gymnases. Ah oui. Okay. Un, concept, un concept qui n'existe pas, faire des bourses de jeux vidéo dans deux salles de gym. Ça, ça n'existe <coughs> pas. On n'en <on> connaît <coughs> pas une, une autre. <laughs> Et le plus marrant, elle a lieu le 27 avril! Ah, même, C'est le, le week-end de la Pixel Day? Ah, d'accord! Ah, bah, c'est pour ça que ouais. je ne peux pas y aller alors. Je peux poser la question, c'est marrant. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, on est en train de voir avec euh, Stéphane qui puisse venir euh, directement euh, présenter son jeu là-bas. On l'a déjà fait l'année dernière avec euh, un autre jeu indépendant. Ouais. On s'est dit qu'on remettrait le couvert ah, cette année pour mettre en coup, avant quoi. un jeu euh, comme ça. Non mais ce ce week-end-là, c'est un week-end de folie parce qu'il y a en même temps que la, la Pixel, donc nous à, à côté de chez nous en Normandie, il euh, mmh. y a aussi le, le salon qui est à Ifto. Alors Ifto, c'est une petite ville, ouais. mais euh, une petite ville dans la Seine-Maritime. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce week-end-là, ils font aussi leur, leur convention. Donc, quand on a vu les dates... A dit, bah, on a contacté l'organisateur en lui disant bah on pourra pas être là en fait, c'est en même temps que la Pixel il fait bah oui mais comme ce sont des petites associations et euh, c'est la mairie en gros qui donne les dates euh, sur les plannings et tout ouais. bah, ils n'ont ouais. pas le choix euh, pas le choix de, 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 pour la salle c'est euh, ils ont la, la salle une fois dans l'année et basta et même et ce week-end là aussi c'est ce, ce week-end où il y a euh, Pierrot le joueur il participe aussi euh, alors c'est le, le Pixel Fest euh, mais euh, ça s'écrit pas pareil que l'autre, je sais plus. Et en fait, euh, bah c'est à Gany et euh, donc du coup c'est pareil, c'est pas très loin de pas loin de chez moi. Euh, c'est là où il y a eu les les championnats du monde de, de Mario Kart récemment là, le championnat Mario Kart qui a eu il y a pas très longtemps, c'est à côté de Vernon. Et, euh... Sur euh, FNaF Ouais c'est ça, c'est ça. Où il y a mmh. FF man qui participait aussi, et, euh, voilà. Mmh. Donc euh, donc non non. Euh... Euh, et, et bah, du coup, c'est aussi le même week-end que la, la pixel Day donc euh, c'est là où après ça devient compliqué avec les, 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 les plannings où tu te dis merde, faut euh, bah, on, peut pas, on peut pas tout faire quoi, on peut pas tout, on peut pas aller partout quoi. Ouais, ouais. Euh, je fais juste vite fait le tirage au sort pour le Facebook de Pesca. Comme je disais, mmh. voilà, je lui dis, je suis frais, les, les trois petits noms sont là, on va à la pêche. Alors, le premier, c'est... On a... Attendez, parce que je pas à déplier. Je les ai bien pliés. Hein. On a Émilie Petit. Voilà. Après, c'est pas grave s'il y en a qui ont qui ont gagné deux, deux entrées, ben. C'était le, le jeu. Hein. C'était le jeu de... On pouvait gagner plusieurs entrées, du coup, comme ça, ben, vous, venez, vous venez à plusieurs. Et... Alors l'entrée, c'est pas très cher. Hein. Et c'est Romain Marie voilà, Roro. <laughs> je sais que Roro, il, il vient aussi en famille, donc c'est donc très bien. Voilà. Alors, l'entrée, c'est pas très cher. Euh, je ne sais pas si c'est pas. Euh, je ne sais plus. plus le prix de l'entrée. nous avait dit la dernière fois, mais est-ce euh, est que c'est 7 balles, 8 balles Je ne sais plus. enfin c'est euh, euh, De mémoire, c'est vraiment pas très cher. Euh, je vais voir si je peux retrouver vite fait pour vous dire quand même. Euh, pop and click. De toute façon, c'était marqué sur la fiche et j'ai pas regardé. Est-ce que j'ai la billetterie information Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai Où c'est que j'ai cliqué là Ça va pas. Bah c'est normal, je suis pas au bon endroit. Ça, 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 ça charge. Ou 7 les deux jours. 5... Ah, c'est ça, 5 euros. Ou 7... Merci beaucoup. Merci beaucoup, El Chorizo. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, voilà, 5... J'avais un doute si c'était si 5 balles. Euh, je me dis, mince, 5 balles, ça me paraît vraiment pas cher. Mais non, non, c'est bien, euh, bien 5 balles, voilà. Donc, euh, et là, c'est dans un gymnase. Et euh, le but, c'est ça, c'est vraiment que ce soit pas trop cher et qu'ils assomment pas les, les gens avec le prix de l'entrée. Et euh, donc là, ce qui est cool, c'est qu'au moins, ils ont eu une, une salle plus grande, parce que l'année dernière, la salle des, la salle des fêtes, ben, elle a été blindée mais euh, blindée de chez blindé donc c'était euh, c'est super cool c'est encourageant de se dire euh, ben, ils se sont ils se sont décarcassés enfin tu vois ils font bon ils font beaucoup euh, ben, ils bossent ils bossent non stop quoi ils font de la com comme il ouais. n'y a pas, ils, ils... voilà donc euh, donc on le voit bien je les ai encore revus il y a pas très longtemps on a discuté bah ben oui on, on voit bien euh, on a, a qu'une envie c'est que les événements ils, ils fonctionnent quoi donc euh, donc j'espère que tout, tout se passera bien et puis euh, dans tous les cas nous de toute façon on sait qu'on passera un bon moment il y, a, il y a tout plein d'invités. Vous pouvez retrouver les infos pour ceux qui souhaiteraient, euh, voilà, qui souhaiteraient éventuellement venir. Vous pouvez retrouver les infos sur association gamer. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Le site, c'est gamer association. Ouais, je vais y arriver. Voilà, gamer euh, Et puis, il ben, y a toutes, euh, voilà, toutes les infos. Vous tapez de toute façon. Si vous tapez pop and geek 2, vous voyez, je vous fais une superbe partage d'écran. Euh, voilà, Et vous avez jamais vu un streamer aussi moderne que ça. Voilà, <laughs> il y a des mecs qui font des trucs, tu sais, que des volets. Tu regardes les, les lives de, de Recalbox, Putain, c'est aux petits oignons. Il te fait des transitions, des machins. Moi, je suis vraiment à la ramasse. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, alors <rire> remboursé. <rire> Enfin bon, voilà, voilà. Franchement, c'est top comme convention familiale comme on C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et pas, euh, pas prise de tête, rien. Il y aura, bah, il y aura un peu de vente, un peu de. Il y a des, il y a de la, de la vente de goodies, de jeux rétro, euh, parce qu'il y aura deux, il y aura trois, trois stands de, jeux, de vente de rétro, des stock games il sera là aussi. Normalement, Jordan, il, il sera là aussi. Voilà. Okay. voilà. Donc, euh, il y aura. Il est la chaud il y aura euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre des... alors vous pouvez ramener des, des cartes Pokémon pour ceux qui en auraient euh, bah, il y a des, des échanges alors, il y a des ventes de cartes Pokémon mais des, des échanges il y a une bourse d'échange de cartes Pokémon donc pour les gamins bah, c'est cool ils viennent donc il y a les cartes Pokémon il y a les cartes Lorcana je crois il y a un truc euh, Disney ils nous ont dit bah ça, ça ça cartonne les gamins ils kiffent tu vois donc tu viens tu euh, bah, tu peux profiter il y a, donc bah, il y aura de la euh, il y a de la bah, l'accès libre pour du jeu moi je viens je ramène des, les consoles et eux aussi ils en installent donc, euh, on faire de l'animation comme ça. Et il y a des mmh. tournois. Il y a quatre tournois. Il y a, euh, je dis pas de bêtises, euh, Mario Kart 8 Deluxe, euh, Rival School sur PS1. Parce qu'on a dit, tiens, on va mettre un truc qui change un petit peu. Au lieu de mettre toujours euh, Tekken, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Rival School euh... Il est bien Tekken, il est bien. Mais, <laughs> mais oui, mais je ne l'ai pas, pas acheté encore. Je pas encore acheté, euh, on verra. <laughs> mais euh, non, j'aime beaucoup Tekken. J'ai joué à la démo. J'ai joué à la démo, j'ai trouvé euh, que c'était pas mal quand même. Ouais. Mais j'avais déjà joué non. à la Paris Games Week, et il, est, il y est pas mal. Euh, les tournois, que je ne dise pas de bêtises, parce que du coup les tournois, je voudrais voir si j'ai la liste. Euh, et donc c'est moi qui animerai les, les tournois. Il y a Rival School. Ah oui, il y a, il y a SSBU, c'est ça. Super Smash Bros Ultimate. Euh, Mario Kart 8 Deluxe. Et un bon vieux Street Fighter 2 à l'ancienne. Voilà. En jeu, je pense que ce sera le Street Fighter 2 Turbo hein, sur, sur Super NES. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, donc non, non, il y, y a RPG aussi qui sera là, Retro Paga. Euh, qui sera là en, en invité, Mantos, Sofiane Le Geek, Marcus évidemment, Arnaud Retro Gaming. Euh, Mordek Drooms, c'est un, un fou furieux. Et Maman Mounichi, euh, que j'adore aussi, qui nous, nous donne toujours plein d'anecdotes. Et puis un certain Cyril 2.0, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. <laughs> Et ça, on le rappelle, c'est le week-end prochain. Donc, dans. Ouais, 8 le 2-3 mars. Le 2-3 mars, c'est ça, ça dans, dans une semaine. En même que je ne sais pas s'ils seront là. Euh, pas, pas en exposant ou s'ils passent en, en visiteur. Mais euh, non, ils seront pas, euh, je pense qu'ils n'ont pas de, de stand, ça me vient ça me rien. Salut Sully, comment tu vas Salut Donc, euh, donc voilà un petit peu le, le topo. Eh ben, écoutez, c'est cool. Déjà, le, le tirage au sort, ça c'est fait. Euh, Est-ce qu'on ne se lancerait pas salut, un, Manch, petit Manch. Me, un petit. Un petit Eh, salut Match Bunch est-ce qu'on se lancerait pas un petit euh, un petit Megaman ou quelque chose Pourquoi pas. Pas. Ah attends. Euh, c'est qui ma souris Moi. Ouais. J'ai rien à lancer. Alors, je pourrais je pourrais jouer depuis euh, ma fenêtre mais. Euh... Allez, on est tous les deux dans là, la fenêtre. Sera plutôt de la personne. Comme... Ou... Ah merde attends. Donc du coup la capture capture capture. Euh, que c'est quel le machin Parce que, Du coup.